Avec derrière, on voit les coins donc, de la formation. Belkin en première ligne, on peut penser notamment à Wilco Kelderman qui avait gagné en Norvège. Voilà le coureur donc, de l'équipe Belkin, Kelderman qui avait brillé autour du Danemark, qui est lancé à la poursuite des deux hommes de tête. Ah, il faut tenir. Voilà, l'écart est de 8 secondes entre les deux hommes de tête et Kelderman, que nous avons donc actuellement en troisième position. Voilà, fin de course, la très musclée entre les poursuiteurs qui s'affrontent. Ah, ça va être difficile pour les deux hommes de tête. On trouve toujours Gary Thomas en tête avec en deuxième position Slacker. Elles sont à 500 mètres de l'arrivée. Toujours le Britannique Gary Thomas, le double champion olympique qui emmène. Slacker est à la deuxième place. Il reste maintenant 400 mètres à couvrir. Les deux hommes toujours en tête alors que Welkerman est en troisième position actuellement. Kelderman, on a avec le Slacker qui lance le sprint. Gary Thomas qui vient se placer en deuxième position derrière Slacker, qui semble être le plus rapide. Le noir hollandais va-t-il aller chercher la avec un retard de 18 secondes à super.